On va dans le Grand Blanc. Moi, ce que je craignais, c'était d'aller par là parce que ça monte. Je préfère aller par là, ça descend. Ah bah alors tu as pas fini de craindre en fait au niveau de cette activité parce qu'on monte autant qu'on descend. Aïe aïe aïe. L'activité qu'on est en train de pratiquer, le but est d'avoir un ski passe-partout, un petit peu dans tout type de terrain, comme tu peux avoir juste là en dessous, sur des choses un petit peu vallonnées. Et puis c'est vraiment une solution technique qui est apportée dans le matériel pour pouvoir mettre la, j'ai envie de dire, la montagne à portée de tout le monde. Quel style! Wow. Oh. Hey, il est reparti, regarde. Ouais! Bon, Antoine, j'y vais, je fais la même chose. Allez, okay. C'est parti. Bien fléchi! Si tu regardes sa trace ici, là. Moi, ce qui me plaît vraiment dans ces balades, c'est d'aller vraiment découvrir l'environnement, le patrimoine de la montagne et d'être dans des environnements un petit peu plus calmes. Faut qu'on prenne des forces, Philippe, parce qu'on s'est bien dépensé ce matin et puis biathlon cet après-midi, alors faut en mettre dedans. Je te mets au défi. Moi, tu me mets au défi? Ouais. Vas-y, j'écoute. Ben, on se fait un parcours et on voit qui est le meilleur. Défi accepté. Ouais, je crois que t'as gagné, j'en ai blanchi 4 sur 5, donc j'ai un tour de pénalité. Et pour le coup, j'ai pas envie de le faire parce que je crois qu'on a fait assez de sport pour aujourd'hui. On va se reposer. Carrément.